musique qui est jouée dans ce live, je n'ai aucun droit là-dessus. Je lance ce live vite fait, juste pour répondre à certaines personnes. Ce n'est pas dans mon habitude, mais je vais le faire tout de suite. Bonjour, connectez-vous, je rentre du travail. Je suis presque arrivée. Et j'en profite comme ça vite fait. Parce que dès que j'arrive à la maison, là, je dois m'occuper des enfants. Je dois m'occuper de ma maison. Donc j'en profite vite fait. Lancer ce live parce que les gens exagèrent quand même, hein, il faut avouer. Le fait de ne pas répondre donne les ailes à certains qui pensent qu'ils ont le droit de tout dire sur tout et sur tout le monde et de n'importe quelle façon. Donc parfois il est important de répondre. Alors bonsoir, connectez-vous, bipez-moi s'il vous plaît, toute la famille du Soukouat. À la barre, venez vite. United for Cameroun, venez, 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 venez. Je vais parler vite fait, hein. Quelques minutes, je suis presque arrivé à la maison. Vite fait. Vite fait. Alors, je suis au travail depuis 6h30 du matin. À ma pause, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit qu'il y a des vidéos qui circulent. Quelqu'un aurait découpé le live de Karine hier et le ferait circuler pour dire que Karine a dit que le président élu n'est pas son leader. Les crapules ont découpé le live de Karine qu'elle a fait hier soir. Ils ont pris une partie, ils ont découpé pour faire circuler partout et dire que Karine a dit que Kamto n'est pas son leader. Et par conséquent, que nous sommes les traîtres, les infiltrés. Alors, je vais vous dire une chose, à vous ces crapules-là, qui n'avaient d'autre rôle que de combattre les combattants. Hier, au Cameroun, il y a eu un événement important qui était le soya du tribunal de première instance de Fumbot. Aucun d'entre vous n'a fait une sortie là-dessus. Personne n'a sorti, n'est sorti pour motiver le peuple, pour l'encourager. Ça fait 2 ans qu'on cherche les solutions pour mobiliser au 237. À un moment où on a un mouvement de foule signifiant du côté francophone, vous faites des sorties pour attaquer les combattants. Et vous vous dites combattants. Vous faites tout pour diluer l'importance de l'action qui s'est passée à Fumbot au 237. Ça ne vous dit rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est de dégainer vos armes et tirer sur les combattants. Vous pensez que c'est en dénigrant, en insultant, en calomniant les combattants que vous soutenez beaucoup Maurice Kamto? Maurice Kamto vous a mandaté pour insulter les gens, les dénigrer, les calomnier. Vous avez raconté que vous avez les vidéos de où c'est les vidéos, c'est les baquilles, où c'est les photos de nus des combattantes. Vous dites que nous de la base jaune, nous les femmes de la base jaune, nous sommes retenues dans la base jaune parce qu'on nous fait le chantage des sans caleçons. Mon ami, quand vous me regardez là, moi j'ai déjà montré mes 5 dehors à Bruxelles. Pangalang, Bobby Couché, Hoha, Babouche, Hoha. J'ai versé ça dehors. Et vous pensez que c'est avec la photo que quelqu'un va me faire le chantage? Vous pensez? J'avais dit que celui qui tente de dire que j'ai la photo de Sandy, avant qu'il ne tousse même, moi-même je vais écarter, je filme, je verse dans la toile. Nathalie, quoi? Ça n'a pas été sorti. Écart, grand écart, 360 degrés. Jean-Claude Van Damme, elle est où aujourd'hui? Vous pensez qu'on peut chanter, on peut faire chanter une femme avec sa nudité?
Les fesses de Nathalie Nkoué étaient écartées, grand écart. Jean-Claude Van Damme, elle est où aujourd'hui? Vous pensez que vous allez salir le nom des gens en racontant les bêtises? Vous n'êtes pas né, hein? Bande de traîtres d'infiltrés achetés par l'ambassade de Yaoundé. Vous êtes déjà de Paris. Vous êtes en train de rentrer au Cameroun un à un. Aïdjo est mort. Sa dépouille n'a pas pu rentrer. Tous les vrais opposants de M. Biya ne peuvent pas rentrer. Mais vous, vous rentrez déjà au Cameroun. Vous entrez dans les ambassades. Vous prenez les passeports. Mais c'est vous qui passez votre temps à raconter aux gens comment ils sont les infiltrés. Ça, c'est même les qui, ça, non? J'ai dit, si vous avez ma part, hein? Si vous avez ma part, comme vous dites qu'on nous fait chanter, hein? Dès que vous dites seulement que ah, j'ai la photo de Sandy, voilà, je fais le live, j'écarte, je dis voilà ça. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Je suis une belle femme. Si je me mets la pan, vous allez saliver. Bande de chiens errants. Bande de chiens errants. Vois-moi un individu à chaque marche qui vient avec un tonne de livres, il croule. C'est comme ça qu'il portait les livres sur la tête maintenant. Les cartons de livres. Venez me tromper, venez me tromper. Je vends ma biographie. J'ai écrit ça pendant 3 ans. Venez me tromper. À chaque marche, les cartons de livres, ça tombe de sa tête. Mbap au cube. Vous avez compris, non? Le président Kamto est le président de tous les Camerounais. Sadina, Cabro Sadina, Tontina, Ewondo, Douala, Bassa, Mundang, ainsi de suite. Il est le président de tous les Camerounais. Il ne vous appartient pas. Vous n'allez pas l'embrigader dans une petite chambre tribale. Je dis et je répète. Karine Bibian Richaud, c'est ma collaboratrice la plus proche. Nous n'avons pas les mêmes idées. On ne se concerte pas. Chacune fait ce qu'elle fait dans son combat. Mais on est les collaboratrices. Vous avez compris? Bande de chiens errants, affamés. Affamés. Regardez mon uniforme. Hein. Sortez vos diplômes, je sors les miens. Bande d'affamés. Karine a parlé ce qu'elle avait dit sur la tradition Bami. C'est son opinion. Même si je ne suis pas d'accord, c'est son opinion. Et c'est ça qu'on veut. On veut la divergence de pensée, la divergence d'opinion. On ne veut plus la pensée unique au Cameroun. On n'en veut plus. Si Karine décide aujourd'hui que Maurice Kamto n'est pas son leader et qu'elle se bat pour un Cameroun libre, quel que soit le leader, c'est son opinion. Elle est libre d'exprimer son opinion. Elle ne supporte pas Kamto, elle est infiltrée. Bah, elle ne supporte pas Kamto, elle est... Youmami Pima, vous avez compris, non? Bande de chouine. Bande de chouine. Moi, je m'appelle Nkoule Kamto. Je tape le tam-tam de Kamto matin, midi, soir. Partout, de jour comme de nuit. Mais ma collaboratrice n'est pas obligée. Et ce n'est pas ça qui va faire que j'arrête de collaborer avec elle. Bande de chouine. Allez chercher autre chose. Vous avez pris les petites miettes d'argent à l'ambassade pour venir emmerder toute la résistance. Maintenant, c'est le défilé au Cameroun que vous faites. Chaque jour, c'est un d'entre vous qui est parti au Cameroun. Chaque jour, c'est un d'entre vous qui est parti au Cameroun. Écoutez-moi les gens comme ça, non? Vous allez qui? Vous allez qui? Vous représentez quoi? Celui que vous chantez avec son nom tous les jours. Oh, Kamto, Kamto. Il était séquestré pendant 3 mois. Vous étiez où? Vous aviez tous disparu de la toile. On ne vous sentait plus. Vous aviez même pris les congés. Vos mouvements là. Les t-shirts, un genre. J'ai même porté mon uniforme à votre couleur. Mais vous me pardonnez, c'est l'uniforme de chef au service de santé en Angleterre. Je ne peux pas changer ça. Les t-shirts, un genre. Quand Kamto était séquestré, vous aviez disparu. On ne vous voyait plus. Vous aviez pris les congés. Les autres étaient au Mali. Oh. Les autres étaient au Sénégal. Oh. Chacun faisait sa part de combat de je ne sais où. Si c'est même le combat que vous étiez en train de faire. Vous êtes parti en couple à Bordeaux. Parti en couple au Mali. Parti en couple au Sénégal.
Pendant ce temps, nous, on parcourait l'Europe pour crier partout, libérer Kamto. On parcourait l'Europe avec nos cinq doigts. Libérer Kamto, libérer Kamto. Jusqu'à, on a inspiré les femmes au Cameroun d'aller faire le Bobby Tanap. Vous n'étiez pas là. À peine Kamto est libéré, vous ressortez. Le vendeur de livres avec son carton de livres sur la tête. Voilà, achetez mes livres. Achetez mes livres. J'ai écrit ma biographie pendant 3 ans. Quelqu'un prend 3 ans pour écrire sa biographie. Quelle cancritude. Pour écrire ta propre histoire, ça te prend 3 ans. Voilà, avec ça, tu marches. Tu ne sais pas si tu as déjà vendu 5 livres. Tous les jours, tu marches avec les cartons de livres au marche. Pendant que nous, on tchouque le fémur à la police, tu as tes cartons de livres sur la tête. Ça s'assoit pour venir ouvrir les fesses sur Karine Bibian. Avant de parler de Karine Bibian, c'est à moi que vous allez parler. Vous avez compris, non? Bande d'imbéciles. Bande de chouins. Avant de trouver Karine Bibian, vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Venez vous comparer avec moi. Vous dites que vous êtes Bamileke, je suis Bamileke. Vous dites que vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Lequel d'entre vous peut me produire un bulletin de paye pendant 1 an ou 2 ans? Parmi vous là, qui peut produire des bulletins de paye sur 2 ans? Vous avez tellement l'argent que vous marchez partout avec les vieux, les pourritures de livres que personne ne veut acheter. J'ai écrit ma biographie pendant 10 ans. J'ai écrit ma biographie. Hein, les infiltrés, les wayo-wayos. Oui, nous sommes wayo-wayos, on accepte. Pian. On est wayo-wayos, pian. Vous allez d'abord nous dire où sont passés les 23 000 euros de CWC. Oui, nous sommes les wayo-wayo. Eh, maman, j'adore, j'aime ça. Je suis wayo-wayo jusqu'à le feu sort. Allez dire, c'est moi qui dis ça. La vérité vous fait mal. Vous n'avez encore rien vu. Les gars, balancez les cœurs. Les crapules sont en train d'envoyer les têtes de mort pour couper le live. La vérité fait mal au cou. Au cou des haineux, des jaloux. Les choses se passent au Cameroun, vous ne pouvez pas sensibiliser. Vous ne pouvez pas faire les lives de mobilisation. Vous êtes seulement là pour attaquer les combattants. Moindre chose, vous attaquez les combattants. Hier, yeah, au lieu que vous fassiez, c'était l'opportunité de faire tous les lives pour mobiliser les combattants au Cameroun. Encourager les gars à sortir. Non, c'est pendant que nous on a besoin de mobiliser au Cameroun que vous vous mettez à attaquer les combattants. Quelqu'un organise tout un live pour raconter comment, oui, il a les nudes des combattants. Tu as les nudes de quoi? Mes cinq que tu as vu à Bruxelles ne t'ont pas suffi. Tu veux voir l'autre? Qui peut donner les nudes à une crapule comme toi? Qui peut donner les nudes à une crapule comme toi? Hein? Donc quand on cherche les beaux garçons même dans le combat, on compte les bouts d'hommes comme toi aussi. Il y a un Karine Bibian. Dents cassées, dents cassées. Dents cassées, hein? Elle a la dent cassée, pian! Et c'est avec la dent là qu'elle vous emmerde. Elle vous emmerde propre, correctement. Pardon, ouvrez-moi la porte ici, j'ai oublié ma clé. Open the door, please. Open the door. Thank you. Ça, c'est même quelle malchance, ça, non? Merde. L'occasion était là hier. L'occasion était hier de mobiliser les Camerounais, d'amplifier l'action qui s'est passée à Fumbot, de donner du volume à cette action de Fumbot, d'encourager les gens des autres villes à sortir, à faire le soya. Mais non, on sort quand il y a un moment important comme ça dans la résistance pour attaquer les combattants. Et ça se dit combattant. Les combattants des combattants. Après, vous dites que Maurice Kamto. Vous dites que vous supportez Maurice Kamto. Maurice Kamto n'attaque pas les autres opposants. Hein? Il n'est pas opposant des opposants. Oui, Maurice Kamto n'est pas opposant des opposants. Il est l'opposant qui est opposé. Et donc, si on fait l'équivalence de la résistance, nous sommes les combattants qui sont combattus. Il y en a qui nous ont parlé du bon vol. Qui ont dit qu'ils volent pour aider le peuple camerounais. On leur a dit que même Maurice Kamto a été victime de vol. Maurice Kamto n'a jamais volé qui que ce soit. Il a été victime de vol. Aujourd'hui, les voleurs des concepts sont en débandade. Et ce sera pareil, vous qui combattez les combattants. Vous qui n'avez pas d'autre travail. Vous ne pouvez pas nous dire. Vous ne pouvez pas tout à fait nous dire.
qu'au lieu que vous développiez des stratégies de combat, au lieu que vous proposiez des choses dans le combat, votre combat, c'est de combattre les combattants. Chaque sortie que vous faites, c'est pour insulter les autres combattants. Chaque sortie que vous faites, c'est pour dénigrer, calomnier les autres combattants. Vous n'avez jamais fait une sortie. Je dis bien jamais. Vous n'avez jamais fait une sortie pour dire aux Camerounais comme bon, face à la situation qui prévaut, pourquoi ne faisons-nous pas X, Y ou Z? Vous ne faites jamais de sortie pour dire aux Camerounais comme bon, les gars, le combat est en train de s'enliser. Nous proposons X, Y ou Z. Chaque sortie que vous faites, oh, Calibri avait dit que, oh, la folle de Londres avait dit que, oh, Dan Cassé avait dit que, oh, fils du planteur avait dit que, oh, dette coloniale avait dit que, oh, voilà tout leur combat. C'est tout leur combat là-bas. Ils marchent avec nos noms dans leur bouche, c'est-à-dire que la folie de ça. On ne vous calcule même pas, mais vous êtes toujours derrière nous. Wow, le gouvernement de transition avait fait que, wow, les wayo avaient fait que, wow, les machins avaient fait que, wow. Comme toi déjà, fais une sortie pour combattre quel opposant? Dites-moi un peu. Vous qui chantez partout avec son nom, Kamto, hein, l'alternance c'est Kamto. Oh, je suis Kamto. Kamto a déjà fait quelle sortie pour attaquer quel opposant? Même si lui-même il sait que certains opposants ne sont pas, ne l'aiment pas, ne veulent pas le soutenir, ne font tout pour le combattre, mais il n'a jamais fait de sortie pour les attaquer. Kamto ne passe pas son temps à s'asseoir devant, écarter ses pieds devant la télé et dit que, wow, Cabral Libye avait fait que, wow, Frundi avait fait que, wow, Nietzsche avait fait que, wow. Parce que lui, il réfléchit sur le Cameroun. Kamto réfléchit sur le Cameroun. Donc, nous qui sommes combattants et qui voulons chanter partout qu'on soutient Kamto, on est ceux-là même qui font ce que Kamto n'a jamais fait. Quand on est combattant, on doit réfléchir sur comment faire avancer le combat. Quelles sont les stratégies pour faire avancer le combat? Mais non, vous, chaque sortie, Calibri, ambassadeur de Paris, Max Seigneur Ivoire avait dit que wow, Karine Bibian avait fait que wow, Sandy de Boston avait fait que wow, fils du planteur, wow, dette coloniale. À la fin, ça devient tellement ridicule. Ça devient tellement ridicule. Parce que les gens qui vous suivent remarquent que vous avez le même discours matin, midi, soir. Matin, midi, soir, vous avez le même discours. Vous ne parlez plus du combat, mais vous parlez des combattants. Votre combat, ce n'est plus le combat du 237. Non! Vous n'êtes plus dedans depuis très longtemps. Si jamais vous aviez été dedans. Vous n'êtes plus dans le combat pour libérer le 237. Vous êtes maintenant dans le combat pour combattre les combattants. Vous êtes dans le combat maintenant pour combattre ceux qui ne sont pas allés se mettre à genoux devant l'ambassadeur. Pour prendre l'argent des passeports. Pour prendre l'argent pour aller au Cameroun. Pour demander pardon et dire que le Cameroun c'est un pays de droit. Pour donner raison aux génocidaires et dire que tous ceux qui chantent à l'extérieur là que Biya c'est un assassin mentent. Parce que nous on peut rentrer au Cameroun et on ne nous fait rien. Ben oui, c'est à ça que vous jouez maintenant. Vous êtes en train de jouer le jeu du gouvernement. Vous êtes en train de blanchir Biya. Vous montrez au monde entier que on peut chanter Biya au sol Biya. L'autre que vous avez montré qu'elle était au Cameroun là, celle qui était assise sur la chaise de l'ambassadeur, elle disait la nouvelle ambassadrice dans la casse des ambassades, la nouvelle ambassadrice. Elle n'a pas fait une vidéo, elle dit qu'elle est au Cameroun et vous relayez ça, vous dites que wow, la vaillante combattante. Maintenant vous faites le défilé au Cameroun, c'est toujours les mêmes gens, hein. C'est toujours la même bande qui va au Cameroun, hein. C'est les mêmes gens qui défilent au Cameroun. Depuis l'affaire de l'autre qui est allé enterrer son mari, les mêmes gens vont maintenant au Cameroun en rang. Pendant ce temps, le corps de Félix Roland Moumier est encore en exil. Le corps du président Aïdjo est encore en exil. Biya est tellement bon qu'il vous laisse entrer au Cameroun. Mais tous les opposants,
qui l'ont combattu ne peuvent pas mettre pied. Tous ceux qui ont vraiment combattu Biya ne peuvent pas mettre pied au Cameroun. Mais vous, le défilé au Cameroun et dans l'ambassade a déjà commencé. Les autres ont déjà les passeports neufs. Ils brandissent ça partout. Voici mon passeport, voici mon passeport. Ben, votre jeu ne trompe plus les gens. On sait déjà qui vous êtes. On sait quel est votre rôle. On sait ce que vous faites. Ah oui? Vous ne combattez plus. Vous combattez ceux qui combattent. Vous combattez ceux qui combattent et vous profitez des prébendes à l'ambassade. Vous profitez des prébendes à l'ambassade. Ah oui. Vous êtes là pour distraire le peuple. Pendant qu'on se concentre sur l'événement de Fumbot, pour que les gens développent d'autres stratégies, pour que ça se multiplie partout. Vous sortez avec la distraction. Les affaires de sang calisson. Oh, on a les nudes des combattantes. Oh, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Vous avez les nudes des combattantes. Ça aide le combat en quoi? Moi, hein, vous connaissez, non? Hein, ça tourne comme ça dans ma tête, un tour. Le jour où quelqu'un va tenter de dire que j'ai sang... Hey, je vais éclater. Grand écart. Jean-Claude Van Damme, group, une fois. Je filme, papa, puis je baisse. Nathalie Nkoua, pour elle, était versée partout. Tout le monde connaît l'anatomie de Nathalie Nkoua. Ça lui a fait quoi? Ça lui a fait quoi? Chouagne à l'ail. Je dis bien, je répète, chouagne à l'ail. Allez chercher autre chose, hein, vous avez compris? Vous venez parler de nous? Vous voulez qu'on raconte ce qui se passe chez vous? L'alternance canapé, les partous de ça? On ne veut pas verser dans la gadoue comme vous. Mais nous, on connaît tout ça et c'est vous-même qui venez encore mettre. C'est vous-même qui venez encore mettre vos pètes-pètes là ici. Mais on n'a pas le temps. On a un pays à libérer. Vous voulez nous entraîner dans les histoires pour qu'on oublie Biya. Mais non, on va vous laisser dedans. Nous, on a le lion à chasser. Oui, parce que si on voulait entrer dans votre jeu, on allait entrer dans les histoires des vieilles chouettes qui font les partous avec vous. Oui. La tenance canapé, on allait tous les jours, on allait faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de l'alternance canapé sont dehors. Mais ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est de chasser le lion. Voilà quelqu'un qui vient s'asseoir. On a les nudes, on vous tient par les nudes. Mon ami, en 2 ans de combat, là où j'entre, tu n'entres pas. Tu as compris, non? Là où moi, Sandy, j'entre, tu ne peux pas entrer. Vous avez confirmé quand le président était à Paris, non? Qui était la seule, je dis bien la seule activiste qui était avec le président. Allez vous pendre. C'est parce qu'on ne roule pas, on ne mange pas du même pain. Quand on va au marché là, vous tous, vous savez là où je dors, non? Je dors dans les hôtels, je ne dors pas dans les QG. Même si je contribue pour payer au QG, je dors à l'hôtel. Et vous savez pourquoi? Justement pour éviter votre calomnie là. Justement pour éviter votre bavardage. Si je dormais dans les histoires des combattants, c'est que mon nom est écrasé avec le Njangsang et le Pébé partout. Mais je ne vous ai jamais donné l'occasion. Jamais. J'ai dit même quand je paye ma chambre d'hôtel longtemps à l'avance. Longtemps. L'autre a chanté partout que je l'avais dragué à Washington. Le père, quand on cherche même les hommes pour draguer, c'est les drogués qu'on va draguer, les non-sens. Les non-sens. Parce que si toi et moi, c'était retrouvé même dans un petit couloir au QG, tu allais filmer et c'est avec ça que tu allais raconter partout que toi et moi, on était ensemble. Ouh, et vous, j'ai lu votre jeu depuis, je vous esquive comme le... C'est-à-dire que je vous esquive. Vous racontez, vous ne me verrez jamais dans vos pet-pet. Je dis bien dans vos pet-pet, vous ne me verrez jamais. Sortez, bande de ce que je ne dis pas. Allez multiplier les lives. Aujourd'hui, vous allez voir la vieille haineuse aux jambes comme les bouteilles de gaz, aux jambonneaux, qui va sortir s'agiter, agiter son visage comme un ancien masque Bamoun devant les gens. Vous allez vous sortir aujourd'hui jusqu'à comme les verres de terre sur lesquels on a versé le sel.
Vous allez multiplier même 1000 lives aujourd'hui, je ne vous calcule pas. J'ai dit, avant d'atteindre Karine Bibiang Richaud, vous allez m'atteindre. Et moi, c'est le roc, c'est le zoété, l'éléphant debout. Vous avez compris, non? Indéboulonnable. Indéboulonnable. Debout, sans être débouté. 2 ans de combat, combattu sans être jamais abattu. Vous avez compris, non? Combattu sans être jamais abattu. Il va falloir me dévisser comme ça pour atteindre Karine Bibiang Richaud. Vous allez entrer en stage pour chercher là où vous allez me dérouter, mais vous ne pouvez pas. Droite dans mes bottes comme Iyi depuis le début du combat. Droite comme ça là. Droite comme ça. Allez manger même 10 boules de coquilles avant de revenir m'attaquer. Bande de ce que je ne veux pas dire. Bande de ce que je ne veux pas dire. Continuez. Aujourd'hui, je vous ai juste sifflé froup. Vous allez courir comme les chiens vers qui on a jeté l'os. Vous allez multiplier les lives. On ne vous calcule pas. Combattant des combattants. Combattant des combattants. Quand vous allez finir de nous combattre, vous allez faire quoi? Quand vous allez finir de nous combattre, voilà Kouagné qui a combattu le président élu jusqu'à il s'est retrouvé dans la salle pour écrire le code électoral avec lui, non. Voilà Bébé Joufflu qui a comploté avec le RDPC pour que le président élu ne gagne pas les élections. Le voilà qui est encore assis avec lui aujourd'hui, non. Finissez de nous combattre, vous allez tourner comme ça, vous allez venir nous retrouver sur place. La clé du train là, hein? C'est moi qui la détiens. Régisseur du train, Karine Bibiang Richaud, elle touche par la fenêtre une fois. Elle ne vous demande pas. Elle vous gicle du train. Elle vous gicle du train. Terminé. Ben, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui pour dire à ces racailles que leurs aboiements sont comme les aboiements d'un train devant d'un chien devant un train qui est en train de passer. Le chien aboie, la caravane continue seulement. Oh, boum, 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 boum. C'est tout ce que vous pouvez faire. Comme les petits chiots qui mangent le couscous rassis au quartier. Vous ne pouvez qu'aboyer. Nous, notre train, là, c'est sur la route. Ça avance seulement. C'est sur les rails. Hein? C'est en train d'avancer. Ça ne peut pas être détourné. Jamais. Jamais. L'objectif, c'est étudier. Point barre. C'était la première et la dernière fois que je reviens sur vous. Je n'ai plus rien à dire sur vous parce que vous n'existez pas pour moi. Vous n'existez pas. Capiche? Allez continuer à vendre les livres. Achetez mes livres. Achetez mes livres. J'ai écrit pendant 3 ans ma biographie. C'est seulement 5 euros, 10 euros. Achetez mes livres. Achetez mes livres. Les volets de Letty. Achetez mes livres. Volets de Letty. Achetez mes livres. Achetez mes livres. Vous êtes venu faire le commerce dans le combat. Achetez mes livres. Ouais. Les gens ont transformé le combat en commerce. Hein? Quand c'était Boris Beto qui vendait les livres, hein, ils ont transformé le combat en commerce. Ça n'a même pas fait 1 mois. Achetez mes livres. Achetez mes livres. J'ai vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Et on a fait tout un live en pleurant. J'avais traversé la Méditerranée. J'avais traversé la Méditerranée. J'ai souffert. Je suis un bosailleur. J'ai souffert. Achetez mes livres. Achetez mes livres. Le bayam c'est l'âme de ça. Le bayam c'est l'âme de ça. Quand la marche est déjà finie, quand il fait déjà noir là.
Venez me tromper, venez me tromper. Deux livres pour le prix d'un. Venez me tromper, venez me tromper. La marche est finie déjà. Prenez pour vous. Ne regrettez pas. Deux pour un. Deux au prix d'un. La marche est finie déjà. Venez me tromper, venez me tromper. Dans ce cas-là, vous allez dire que Rosanne Jiménie, c'est une commerçante parce qu'elle a sorti son livre. Vous allez dire que Wilfried Ekanga, c'est un commerçant parce qu'il a sorti des livres. Vous allez dire que Boris Beto, c'est un commerçant. D'ailleurs, c'est pas lui que vous avez commencé. Vous allez dire que c'est un commerçant. Vous allez dire que Mamadou Mota, c'est un commerçant. Vous allez dire que Kandovaski, c'est un commerçant. Tous les combattants qui sortent les livres là, vous allez dire que c'est un commerçant. En oubliant que vous-même, maintenant, vos marches, votre combat, c'est devenu la vente des livres. Venez me tromper, venez me tromper. Venez me tromper, la marche est déjà finie. Deux pour un, deux livres pour un. Mamie, tu n'as pas quelqu'un à qui tu peux offrir le livre cadeau. Je vends deux pour un. La marche est déjà finie. Venez me tromper, j'ai écrit ça pendant 3 ans. Je suis bosailleur. Je suis bosailleur, j'ai écrit mon livre pendant 3 ans. Ouais. Oh là là. En tout cas. En tout cas. J'ai dit ce que j'avais à dire, je ne vais pas en rajouter, il faut que j'aille me débarbouiller, que je m'occupe de mes enfants. Parce que oui, j'ai 3 beaux petits-enfants qui m'attendent quand je rentre du travail. Oui, j'ai une maison, une très belle maison dont je dois m'occuper quand je rentre du travail. J'ai un jardin, je dois rentrer visiter mes fleurs. Quand je rentre du travail, ça me détend. Ensuite, je vais faire la cuisine, je vais servir à manger aux enfants, je vais faire leurs devoirs avec eux, et je vais leur lire des petites histoires avant de dormir. Et voilà ma journée terminée. Voilà. Je n'ai pas le temps de fouiller dans les caleçons et les strings des vieilles chouettes de la Révolution. Je n'ai pas ce temps-là. Quand j'ai un peu de temps, je réfléchis 237. Comment faire bouger les choses au Cameroun? Voilà. Allez, les gars. Vous savez où le combat se trouve. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les combattants des combattants font leur travail. Ils vont continuer d'aboyer. Le train de la révolution avance. Et quelqu'un fait gnac, Karine, le gicle du train. Oh, ah, il va pleurer comme le porc qu'on est en train d'égorger. On te gicle du train. Tu cries jusqu'à... Tes cris arrivent jusqu'à... Oui. Je tiens les clés. Karine est censeur. Elle te tchouque du train. Tu sors. Oh, ah. J'ai dit ça. Allez, dis. Allez. À plus.